Ils ont fait rêver des millions de téléspectateurs, fait la couverture des magazines et parfois mélangé la vraie vie et la fiction. Comment réinventer sa vie quand on a été le personnage culte d'une série à succès ? Marcy Walker, qui jouait Eden dans Santa Barbara, a enfin trouvé le paradis. Elle est entrée dans les ordres. Dieu m'a dit littéralement, je veux que tu arrêtes la télé. À 69 ans, Linda Gray, l'inoubliable Sue Ellen de Dallas, a comme son personnage connu les affres de l'alcool. Elle en est aujourd'hui sortie. Aujourd'hui, je suis heureuse. Ma vie est magnifique. Joan Van Ark, Valen dans la série Côte Ouest, a construit sa carrière sur son physique de blonde angélique. À 66 ans, elle reste obnubilée par son apparence. Et là, je ne brille pas trop ? Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils nous ont fait rêver. 20 ans après, quel est désormais le quotidien de ces anciennes stars des séries cultes ? Quels souvenirs gardent-ils de leur gloire passée ? Un dimanche matin, une église évangélique au fin fond de la Caroline du Nord, aux États-Unis. Celle que tout le monde attend, c'est elle. Bonjour, je suis Marcy Walker. Si c'est la première fois que vous venez, bienvenue à l'église évangélique. Marcy Walker est évangéliste. Elle a 49 ans. Tous les week-ends, elle célèbre la messe pour les fidèles de la région. Beaucoup viennent spécialement pour elle. Et pour cause, il y a 15 ans, c'était une star. Elle incarnait la jeune et sexy Eden Capwell dans la série Santa Barbara. 1044 épisodes diffusés pendant 9 ans, de 1985 à 1994. 8 millions de téléspectateurs rivés devant leur petit écran. Chaque soir à 18h, la France entière vit au rythme de l'idylle entre Eden Capwell et Cruz Castillo. Rupture, réconciliation, leur péripétie amoureuse passionne le public qui se prend à rêver que la réalité rejoigne la fiction. Non, jamais. Nous n'avons jamais eu d'histoire d'amour dans la vraie vie. C'était quelqu'un de bien, on était très amis, on avait beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et puis il était marié, il avait des enfants, on s'estimait beaucoup. Je l'aimais de tout mon cœur, comme si c'était mon frère. Dans la réalité, Marcy Walker était seule après 3 mariages et autant de divorces. Pendant 7 ans, l'actrice n'a vécu que pour son rôle d'Eden. Les horaires étaient démentiels, c'était vraiment très dur. Je n'étais jamais à la maison, toujours en tournage. Une vie personnelle sacrifiée. 2 ans avant la fin de la série, Marcy abandonne son rôle dans l'espoir de trouver un sens à sa vie. Beaucoup de mes amis mouraient du sida, d'anorexie, de boulimie, de drogue. Je me suis demandé alors quel était le sens de mon existence. Je gagnais beaucoup d'argent et je passais à la télévision, certes, mais ça ne suffisait pas. Je me demandais pourquoi j'étais là et quel était mon rôle sur Terre. Marcy Walker ne retrouve pas de rôle emblématique. Sa carrière décline. Il y a 3 ans, une femme va changer sa vie. Cette femme, c'est Sœur Caroline. Elle dit avoir eu une révélation. J'avais l'habitude de prier tous les matins. Dès que je priais et je fermais les yeux, je voyais le visage de Marcy qui apparaissait. Je ne connaissais pas Marcy. Je ne l'avais jamais vue à la télévision. Et pourtant, j'avais des visions d'elle à chaque fois que je priais. Un jour, j'étais dans un supermarché et je vois un magazine télé avec la photo de Marcy en couverture et je l'ai immédiatement reconnue. C'était cette femme pour laquelle je priais depuis des mois. J'ai acheté le magazine et j'ai trouvé son nom, Marcy Walker. Une rencontre mystique. Eden de Santa Barbara devient alors Sœur Marcy et renonce à sa vie d'actrice. Ça s'est passé comme ça. Dieu m'a dit littéralement, je veux que tu arrêtes la télé. Après avoir converti des millions de téléspectateurs en fidèles de Santa Barbara, Marcy est investie aujourd'hui d'une nouvelle mission. Évangéliser les enfants de sa région. Dans son église, elle enseigne le catéchisme à sa manière. Voilà ce que nous avons fait il y a quelques semaines. J'ai donné ces petits mots aux enfants, il y avait juste marqué dessus Jésus. Et ils devaient écrire la suite. Ils ont écrit, c'est mon ami, c'est le roi des rois. Il est tout sauf un ennemi, c'est le leader du monde, c'est mon père. Habité par son nouveau rôle,
Marcy Walker n'est pas nostalgique de son ancienne vie de star. D'un certain côté, j'ai eu deux vies. J'ai fait quelque chose d'unique et d'incroyable qui est de faire de la télévision, et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en même temps, j'ai eu une autre vie, et dans cette vie, j'ai la chance d'expliquer aux enfants qui est Dieu. C'est sans amertume qu'elle suit le parcours de sa famille de télévision. Le destin hollywoodien de Robin Wright, qui jouait Kelly, sa petite sœur dans la série, ne la fait pas fantasmer. Robin Wright est l'une des rares actrices de ces séries des années 90 à avoir fait carrière au cinéma. Elle était l'un des membres du jury au dernier festival de Cannes. Vous savez, lorsqu'elle s'est mariée avec Sean Penn, la vie de Robin Wright a complètement changé. Je ne lui ai pas parlé depuis que j'ai quitté la série. On était toutes très jeunes, mais très différentes. Aujourd'hui, nos chemins se sont séparés. Les acteurs de Santa Barbara se sont perdus de vue, mais pas ceux de Dallas. Ton univers impitoyable. Bonjour. Voici Steve Canali, 65 ans. Il jouait Ray, l'employé de la famille Ewing. C'est le chapeau de Dallas. Pendant 14 ans, tous les samedis soirs, JR, Sue Ellen, Pamela et Bobby Ewing s'entre-déchiraient pour le plus grand bonheur de 15 millions de téléspectateurs. Pour Steve Canali, Dallas, c'était le rôle de sa vie. Depuis que la série s'est arrêtée, il n'a plus jamais rejoué. Mais les 2 millions d'euros qu'il a gagnés lui ont permis de s'acheter cette jolie maison dans un petit village à 200 km au nord de Los Angeles. Sa vie aujourd'hui, une retraite paisible entre jardinage et équipée sauvage avec ses amis de l'époque. Avec Larry et Patrick, on a la même passion. On aime bien partir ensemble à la pêche ou à la chasse. Ça, c'est Larry. Et ça, c'est un leurre. On se cachait sous ce gros canard. Là, ce sont des photos de la série. Steve Canali, l'homme d'un seul rôle, d'une seule bande d'amis et d'une seule femme qu'il a épousée il y a 34 ans. Bren, tu es là? Je vous présente Bren. Est-ce qu'on se ressemble maintenant? C'est ce qui arrive quand les gens sont ensemble depuis longtemps. C'est un peu comme les gens qui ont des vieux chiens. Oui, je suis un peu comme ton toutou. Mari fidèle dans la vie, mais séducteur invétéré dans Dallas. Aujourd'hui, quand il regarde de vieux épisodes de la série, Steve Canali est presque choqué. Je jouais un personnage très faible. Je suis très gêné de voir ça aujourd'hui. L'actrice que j'embrasse était encore au lycée. Aujourd'hui, les gens vont en prison pour ça en Amérique. Elle n'avait que 17 ans lorsque nous avons joué cette scène. La femme de Steve Canali, elle, n'a jamais été jalouse de ses partenaires à l'écran. Non, je m'inquiétais pas. Il avait deux petites filles qui l'attendaient à la maison. Je ne pensais pas qu'il allait partir avec une autre femme. Partir avec une autre? Non, je ne suis jamais sorti avec une actrice. Vous savez, on est des modèles de fidélité dans cette série. Patrick Duffy est marié depuis 35 ans et Larry Hagman depuis 55 ans. Si les hommes de Dallas ont renoncé à leur rêve de gloire, les actrices, elles, continuent de courir après le succès. À 69 ans, Linda Gray, alias Sue Ellen, est toujours comédienne. Elle va même jouer un rôle très sexy au cinéma. Je vais débuter un nouveau tournage le mois prochain, c'est pour le cinéma. Je vais incarner une danseuse de cabaret. C'est beaucoup de travail, je suis à un régime spécial. Je suis très heureuse aujourd'hui dans ma vie. Après l'arrêt de Dallas, Linda n'a jamais cessé de tourner. Et elle s'est surtout débarrassée du penchant pour l'alcool qu'elle partageait avec son personnage de Sue Ellen. Si l'actrice était crédible dans son rôle de femme alcoolique, c'est qu'elle était souvent saoule sur les plateaux de tournage. Pour exorciser mon passé, je réalise un documentaire sur les femmes et l'alcool. Pour moi, c'est un peu mon histoire. C'est terrible comme ce fléau peut ravager des vies. J'en sais quelque chose. Ce jour-là, dans ce restaurant de Los Angeles, Linda Gray participe à un déjeuner en l'honneur de la femme de Kirk Douglas. Et elle y retrouve une parente éloignée, Joan Van Ark. Elle aussi faisait partie de la famille Ewing. Elle incarnait Valen,
la femme du petit frère, Gary. Personnage secondaire dans Dallas, elle est devenue l'une des héroïnes de la série Côte Ouest. Nous sommes des belles sœurs de South Fork, toutes les deux mariées à des Ewing de Dallas. Côte Ouest prend le relais de Dallas pendant 7 ans, entre 1988 et 1995. Et comme dans Dallas, ce sont les méchants qui deviennent vite les héros de la série. Joan, qui incarnait Valen, l'épouse délaissée et naïve de Gary Ewing, regrette encore que les producteurs n'aient pas su exploiter son tempérament de feu. Bonjour, je suis Joan Van Ark. Valen était si gentille et si douce, c'était une mère parfaite et une épouse parfaite. Tout ce que je ne suis pas, ce qui prouve que je suis une grande actrice. Une bonne actrice qui devait porter des tenues fades et sans intérêt, alors que toutes les méchantes de la série avaient droit à des robes de grands créateurs. Comme Nicolette Sheridan, alias Paige, aujourd'hui mieux connue pour son rôle dans Desperate Housewives. Valen était tout le temps en t-shirt et en jean parce qu'elle restait à la maison pour s'occuper de ses enfants. Moi, j'aurais voulu qu'elle soit plus sexy. Nicolette et moi avions la même taille. Alors quand la série s'est arrêtée, je voulais récupérer les vêtements de Paige, pas ceux de Valen. J'adorais ses tenues à elle. Je n'ai pas eu besoin de les acheter. Elle me les a toutes données. Joanne quitte Côte Ouest en pleine gloire, mais elle ne retrouvera jamais le succès. À 66 ans, elle s'évertue à conserver le physique qui, jadis, fut son meilleur atout. Je ne brille pas trop, là ? Cette obsession de la jeunesse éternelle lui a valu d'être invitée dans un épisode de la série Nip Tuck, dont les héros sont des chirurgiens esthétiques. Dans cet épisode, Donna Mills, alias Abby Ewing, retrouve Joan Van Ark. Antonio Fargas, 62 ans, lui n'a pas peur de vieillir. La peau des Noirs ne vieillit pas. On a cette chance. J'ai une hygiène de vie très stricte. Et je fais attention à ce que je mange. Et je vous présente ma femme, Sandy. Antonio Fargas, c'était Huggy les bons tuyaux dans Starsky Hutch. La série a débuté en 1975. Il était alors l'un des tout premiers acteurs noirs à jouer régulièrement à la télévision. Encore aujourd'hui, on peut le voir dans deux séries à succès, Heroes et Numbers. Pourtant, ce fils d'éboueur new-yorkais, issu d'une famille de 11 enfants, n'était pas destiné à devenir comédien. Quand j'étais jeune, j'avais pas autant le choix qu'aujourd'hui. Je n'avais pas de perspective de vie. Mon avenir était bouché. Aujourd'hui, il est fier de s'en être sorti. Et sa plus belle revanche, c'est d'être reconnu dans les rues de Las Vegas. Avec 45 films et 32 séries télé à son actif, Antonio Fargas est un vieux routier d'Hollywood. Et pourtant, il n'arrive pas à se défaire du rôle qu'il a rendu célèbre dans le monde entier. Je dois beaucoup à cet homme, Huggy les bons tuyaux. Quand vous avez une poupée à votre effigie, ça veut dire que vous avez réussi. Alors je dis bravo. Bravo à Starsky Hutch. Bravo Starsky Hutch. C'est le paradoxe de tous ces acteurs de séries cultes. Ils ont quitté leur rôle depuis longtemps. Ils vivent une autre vie. Mais dans les yeux des téléspectateurs, ils resteront à jamais les héros de nos séries préférées. Be a lady tonight. What I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight.